Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Beach Braces afin de poursuivre évidemment potentiellement notre attention au niveau de l'obligate de l'AM. Bien sûr, je dis potentiellement poursuivre puisque c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Mais est-ce qu'on va être en capacité de le faire? Ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc il faut qu'on joue capitaine et de préférence attaque rouge hein, bien sûr. Oula, j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas peut-être. Bon, dans le doute je fais. Ah, ça se trouve j'ai ouvert le panneau d'aide. Ah bah oui c'est ça. Et bah écoutez parfait. Tiens d'ailleurs. Je fais n'importe quoi, je commence déjà pas pignonner, c'est une catastrophe. Ok, incroyable. Juste les deux, ok. Impeccable. On va essayer d'atteindre donc et de compléter étage 121. Donc le fait qu'il y ait une mort instantanée, ça implique quoi? Ça implique tout simplement qu'il faut vouloir bouger sur la map. Et si jamais on reste immobile un peu trop longtemps dans des zones spécifiques, on décède évidemment et c'est pas très cool. Donc non. Donc tueur, capitaine, attaque. Ok. Donc il n'y a pas de scène en personnage. Okay, bah ça me paraît, il me paraît tout à fait correct le rosé. En plus, il a la bonne couleur. Ok. Je crois qu'on a trouvé vraiment le candidat parfait. Alors, oui. Alors, on prend un signe de vice-capitaine au cas où. Et non, j'ai pas le set de thé Shingami. Ok. Donc ensuite ici on va rappeler un set de personnages. Voilà, parfait. Donc on est des 10, d'accord. Okay. Un peu de pression spirituelle. Donc on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors, est-ce que on va avoir assez de dégâts dans un premier temps? Désactivons le mode auto parce que. Oula. Voilà. Il ne faut pas rester dans les taches rouges, bien évidemment. Le principe, hein, je rappelle, hein, et si jamais vous restez là, en gros, il y a un 6 qui est affiché. Si jamais on reste 6 secondes dans cette tâche, à ce moment-là, et eh bien on décède, bien sûr. Je ne sais pas si la survie, cependant, se déclenche. Et empêche la mort. Là, je ne sais pas. Ok. J'ai pas de sous-trait de perfection ou quoi. C'est pas si grave si je perds quelques points de vie. Ok, c'est mon souquet. Il y a quand même. Oh non. Problème. Insulti. Ok. Impeccable. Je rapproche le micro de ce côté-ci. Pardon. Pardon, évidemment. Ok. Ok, donc le premier étage, il passe. Étage 122. Qu'est-ce qui m'attend? Effet tueur. Affinité instinct. Pour obtenir des pinceaux, on apprécie toujours. Oula! Oula. Instinct. Il faut être d'une affinité précise ou. Ok. D'une catégorie, pardon.
Il n'y a pas de scène dans le personnage. Moi, je crois qu'on va pas chercher midi à 14h. On va tout simplement partir sur Aizen. Ça me semble tout indiqué. Étant donné qu'il a le double tueur. Que c'est vraiment un excellent personnage sur Sastrong 2. Ça va nous permettre potentiellement de pouvoir envoyer le maximum de dégâts pour essayer potentiellement que les adversaires ne multiplient pas. Donc c'est vraiment pas. Plus il y a l'affaiblissement également qui est à prendre en compte. Voilà, genre comme ça, on envoie Strong 2 into bien sûr, into Strong 1, Strong 3 pardon, et ça fait le taf. Hop hop hop. Attends un petit peu. J'étais un petit peu gourmand sur ce coup. Il bad là-dessus. Alors, c'est le jeu marron. Ok. Non, voir ulti. Ils ont fait un véritable effort au niveau du modèle des persos de la Division 0 en vrai. Ils sont très beaux. Impeccable. J'ai l'impression qu'ils ont plus de détails que les autres personnages du jeu. Ok. Là, nous sommes rendus à l'étage 123. Et c'est potentiellement là que ça va se gâter, puisque là, on était en mode. Pas de seulement personnage, tandis que là. Là, ça va être compliqué. Déjà, catégorie interdite, capitaine, ok. Alors, effet tueur, ok, donc il faut voir un tueur. Oula, oula, oula. Oula, ça va commencer à être compliqué là. Attends, donc il nous faut un Shingami, d'accord. Affinité, connaissance. On a un quart, qui sont un Shingami. Ok, on a du bon. Ok. Donc là on est d'accord que j'ai à peu près tout. Catégorie 1, petit capitaine. Ok. Alors. Donc c'est une run classique. Alors, au pire. Donc, attendez. Donc, si je prends le personnage qui potentiellement ne servira pas par la suite, donc on a cet Ichigo. Bah, je pense que c'est compliqué de le sortir, lui. Il n'y a pas de renfort de. Il n'y a pas, par exemple, d'attaque. Enfin, plus une ligne de dégâts. Attaque puissante renforcée plus 1 ou. L'équivalent. Lui, il doit l'avoir. Même pas. Ok. De toute façon, lui, c'est un personnage nade, attaque rouge. C'est tendu. Notamment lorsque c'est un personnage assez ancien. Il y a cet Ichigo qui est également. Rapidité. Ok. En vrai, lui, pourquoi pas? On a un personnage pression spirituelle, là aussi. Isané, là, ok. Avec un bouclier, ok, entre guillemets. En sachant qu'il n'y a pas de combat de boss.
Il y a un peu de soin. J'hésite entre les deux. Étant donné qu'il y a potentiellement plus, il y a elle aussi également. Avec un peu de soin. Ok. J'ai pas mal renforcé. On va peut-être dans un premier temps partir sur Ikaku. Attendez que je réfléchisse. Qu'est-ce qui est le moins embêtant à mettre? Lui, c'est un personnage d'attaque normale, au vu des stats. Cependant, on en a peut-être besoin dans la suite, on ne sait pas. Je pense que le Ikaku, en vrai, c'est celui qui nous dérange le moins. La Momo est quand même bien montée. Lui, bon, malheureusement, cet Ichigo, évidemment, il est magnifique, hein, il est très beau, mais c'est compliqué de jouer un personnage nade d'attaque rouge. Et cet Ichigo, ben, il entre un peu dans la catégorie de personnage pression spirituelle. Ouais, je pense que c'est peut-être lui qui nous dérange le moins potentiellement. Je vais le T10 quand même, hein, histoire qu'on puisse un petit peu s'en sortir quand même malgré tout. Ah, parfait. Alors. Ok. Je regarde son Bankai. Au niveau des détails, à l'époque, c'était compliqué d'en avoir des bons détails. Ok, on va le mettre T10, tranquille. On va consommer un petit peu de potion. Petit peu de canne également. Je pense que. Bon, on va essayer comme ça. Histoire de. Je pense que c'est pas mal si on arrive à le sceller. T'as quoi comme compétence? Attaque puissante déchaînée plus 1. Ah, ok. Reste de la mort. Ok. Mais pourquoi pas? Pas d'altération d'état spécifique. Ok. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Si jamais ça fonctionne pas, je pense qu'on va repartir sur Momo. Je pense que ce sera pas si pire. Ok, on a d'excellents artefacts en tout cas. Au niveau des Karalinks, j'ai l'impression qu'on n'a pas de lien de survie et composante avec pour améliorer Strong. Ok. Essayons. Essayons cette run déjà pour commencer. Alors. Ok. Oula. Et ça l'oublie un peu. Oh. Ok, attention. Quand même, je vais un peu rapidement. Ok. Les attaques ont une portée assez complexe à manier, mais nouveau. Une strat un peu risquée qui consiste à se prendre un maximum de dégâts pour essayer de profiter au maximum de la compétence extase de la mort. Pense que ça va être une compétence qui va proc uniquement lorsqu'on va. On va pas chercher à la proc. Je pense que c'est un peu risqué. Hein. Ok. Alors de prime abord comme ça. Au niveau des dégâts, je pense qu'on est bien. Là. Oh non! Ok, ça c'était pas prévu ça.
C'est de ma faute. C'est de ma faute. Tout c'est de ma faute. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Mais je pense qu'on en est, on en est pas loin du tout. On apprécie hein, tous les renforts, ça nous fait quoi? Ça nous fait un x12 quand même en termes de dégâts. Je pense que si jamais on arrive à faire passer ce Ikaku, on va être bien. On va être bien. Va apprendre à maîtriser un petit peu le personnage. Mais en vrai, ça se fait. Hein. Oula, attention. Je préférais lancer un sangloir, sinon on allait potentiellement me retoucher. Oula, 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 oula. Et laissez-moi tranquille de grâce. Oh non, mais je. Ok. Alors je suis en plein buff excess de la mort. On va dire que. On va dire que le buff est actif, quoi. Est-ce qu'on aurait préféré ne pas l'avoir? C'est une éventualité éventuelle? Oula. Alors là, au moindre coup, c'est la mort. Ok. On va patienter un petit peu. Je pense qu'on va avoir le temps de placer nos dégâts. On va essayer d'y aller. D'y aller doucement. Ok, impeccable. C'est parfait. C'est parfait. Oh, franchement, c'est parfait. Voilà. Excellent. Merci à toi, Ikaku. C'est toi, Ikaku. J'espère qu'ils te feront. Ils te remanieront un petit peu graphiquement, d'un point de vue un petit peu de pixel, mais merci à toi. Là, je pense qu'en vrai, c'était la meilleure possibilité de scellement. Ça nous a donné des quelques petites potions et 3 millions de cans. Honnêtement, pour un étage de tour Sekemon. Et surtout, ça nous a scellé un personnage qui, je pense. Ça va pas trop nous manquer, attendez qu'il n'y avait pas d'altération d'état. Il n'y a pas de capacité de protection contre les boss par exemple, donc on vraiment bien. Alors là, affinité vitesse, catégorie Senraider. Alors. Alors je sais pas si j'ai un personnage qui prend compte toutes les considérations, compte toutes les conditions, pardon. Ok. Il soit pas un tueur de holo, peut-être? Tueur de Shigami et d'Arankar, ok. Bobieta, étant donné qu'elle va toucher le boss. Essayer parce que profiter du bonus de Senraider, je pense que c'est pas mal. Et si on prend Saturner, un Senraider, pardon, qui n'est pas bleu à lui, il nous faut un tueur de holo. J'ai l'impression que c'est pas fréquent. Ouais, donc, je pense que le mieux. Essayons avec Bombieta. Vous savez quoi? Dans sa part d'âge, quoi? Ok, d'accord. Avec un peu de feu, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Vous savez quoi? Essayons avec Bombieta. De prime abord, comme ça.
Alors sinon je prends un personnage bleu, cœur de holo. Bleu, cœur de holo, ouais, voilà. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a des persos qui sont quand même puissants. Par exemple, le Byakuga, je pense qu'il passe tout seul. Hein. Je pense qu'il passe tout seul. Est-ce que... J'ai envie de voir ce que peut faire Bambietta. En vrai. Je vais peut-être le regretter, hein, mais... Certainement, mais ah oui, il y a un nouvel onglet qui est arrivé aujourd'hui, ou alors hier. Onglet bonus. Je sais pas trop comment activer certains trucs ou quoi, mais est-ce que valeur augmentée, d'accord. Je ne sais guère. Mais de ce que j'ai compris, plus on obtient des personnages, plus on amène des personnages 6 étoiles niveau 200. Plus on a des bonus, donc je crois que cependant, faut pas si par exemple on met 5 Bambietta niveau 200 avec cette version spécifiquement de la carte en version bleue ou quoi, etc., avec le même sous-trait, exactement les compétences. Je crois qu'il y en a qu'une qui prend en compte. Ça c'est pour éviter les gens qui vont péter un pont et qui montent 14 persos. Écoutez pourquoi. Donc elle était 10, ok. Je pense qu'on va juste y aller comme ça pour commencer. On va y aller en mode tranquillou. Péter un plomb. Juste pour observer un petit peu qu'est-ce que nous donne cette petite Bambietta. Alors attends, il faut que je le remette. Hop. Ok. Dégâts x5 tout de même. Alors, est-ce qu'on a un élément qui concerne un Quincy? Oh, on a peut-être pas ça. Ok. Est-ce qu'on peut pas le remplacer par quelque chose? Ok, qu'est-ce qu'elle en a déjà? Peut-être un truc de concentration. En vrai, c'est pas la folie, mais j'ai un peu plus tanky comme ça, on va dire. Endurance, plus de points de vie, d'accord. Dégâts des attaques normales. Ok. Oui, bon, je pense qu'on va essayer d'aller comme ça. Alors, au niveau des liens, et eh ben ça c'est parfait, ça. D'accord, donc on a du feu. Ok. L'altération d'état offensive. J'imagine qu'il faut rester plus ou moins prudent. Alors, au niveau des dégâts, comment ça se passe? Ok, je ne. Et heureusement qu'on a du feu. Très clairement. Ça peut fortement nous aider, ça, dans notre avancée. Okay. Non, par contre, au niveau des personnages, ça reste un très très bon personnage. Il y a de très bonnes strong. Il n'y a pas de problème avec ça. Des animations, c'est vraiment très large. Beaucoup de zones d'effet. C'est assez agréable à jouer, pour pas se mentir. Des cams. Ok. Écoutez, ça se passe pour cette Bambietta. Déjà au boss, ok.
On va lâcher un ulti tout de suite, comme ça on va bénéficier de la compétence du feu. Ok. Oula. Ok. Donc là on est affaibli. Donc on ne fait pas de dégâts. Et au final, le feu, il a bien fait son travail, honnêtement. Ça l'a brûlé à petit feu, c'est quel de dire. Mais écoutez, cette Bambietta, finalement. Finalement. Vraiment un très bon perso. Pour cet étage. Ok, étage 125, et donc là on va au pu. Hop, 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 hop. Oh, sapristi. Effet de pure x10, catégorie capitaine uniquement. Oh, ça va de force en plus. Ok. Alors, observons. Alors attendez, donc effet sur x10, catégorie, ok. Ok. Alors, il faut éviter les personnages bleus, sinon on va un peu souffrir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, il y a le Kenny avec Hiroshi qui fait partie. Là, c'est la bonne couleur. Avec un personnage nade. Heureusement, je ne l'ai pas monté suffisamment pour qu'il ait beaucoup de défense. Donc je pense que dans un combat de boss, on va risquer de manquer un petit peu de défense. Et sinon, j'ai vu un autre personnage rouge. Je le retrouve plus. C'est quoi? C'est du poison. Je crois que c'est un spécialiste du quête de groupe. Je pense que c'est un peu trop compliqué pour te sortir, toi. Ok. Truc normal déchaîné, ok. Et ce Mayuri. Ah, c'est du poison. On va avoir des problèmes de. Il y a une survie. Ah oui, non, ça c'est le. D'accord. C'est pas la survie de base, attaque puissante, malédiction, plus 2, ouais. Du poison étant donné que c'est malédiction plus 2. Pour les altérations d'état défensif, c'est plus 5. Mais bon, là, vu que le poison c'est uniquement offensif, c'est uniquement là pour faire des dégâts. Uniquement 2 secondes. Donc là on est d'accord, il y a le Kenpachi, d'accord, ouais. Si on enlève la couleur rouge, que se passe-t-il? Okay, c'est quand même un passage très récent. Je peux pas prendre un passage bleu. Toi, t'as du feu, ok. Tout un peu de glace. Tireur des divisions 0, ça c'est le genre de truc qui peut.
peut être indispensable, ça. Ça, je suis encore d'accord, ouais. Avec du soin, mais. C'est le genre de personnage qui, potentiellement, si jamais j'avais tout maximisé, etc., au niveau des slots ici, ça aurait pu faire le taf. Un peu comme mon Tsukushima Bleu qui est tellement tanky et qui fait tellement de dégâts que contre les boss, il n'y a pas de problème. Rendre le personnage bluff. Si jamais je joue pas des personnages rouges. En vrai, il y a peut-être cette Onwana qui potentiellement peut servir. C'est quoi l'effet tueur x10? Dans le Kenpachi, il a quoi en termes d'effet néfaste? Épicement. On va essayer avec cette Unona. Je pense que ça va être compliqué, mais. Ok. C'était pas une capitaine. Ah non, c'est capitaine uniquement. Dans un sens, je me suis dit, mais attends. En général, la catégorie capitaine est interdite ou ce genre de choses. Mais ok. Si c'est un peu différent. Combien j'ai de rouleaux de carte essence ultime là. Ah bah j'en ai qu'un seul. Faut l'utiliser doucement quoi. Ok, bon, on a T10 le perso. Dans le pire des cas, je crois qu'il me sert dans une des autres tours. Donc on va dire que ça reste ok. Même si on s'en sert pas. Même si jamais ça passe pas, quoi. Ok, impeccable. Il faut des Karalinx. Okay. Alors. Okay, je ne sais pas si on aura assez de dégâts. Je doute, mais bon. Et le freeze. Oula, ok. Ah oui. Ok. Non, j'ai. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de souffle de perfection. Donc ça va. J'ai pas perdu 95% de mon DPS. Ok. Ok, 2 minutes. Oh bon sang, ok. Ok, faut qu'on la joue, tranquillou. Il y a peut-être moyen que ça passe. Ok.
Une. Que fait notre bassin? Ok. Restons calmes. Faut que je suis pas du tout en train de foutre panique comme un malade. Hop, 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 hop. Hop. Ok, il a fait une soule 3. Je me prends ça. On tente le tout. Pour le tout. Ok, on a eu assez de dégâts. Oh, oh bon sang. Ok. Et bah c'est par exemple. Ok, merci beaucoup à toi, Luana, qui nous a grandement aidé. Ok. C'était pas mal. Waouh. Et bah dis donc. Bah dis donc, et bah dis donc. En vrai, c'était bien. Et je pense qu'on a scellé un personnage à ce niveau. Pas un personnage très avancé non plus. On se garde un petit peu de marge. Bon, il y en a des Kenpachi ici, c'est incroyable. Ouais. Au niveau de la vague 1, je pense que j'ai été très chanceux d'avoir le freeze. Non, je suis vraiment éloigné. Pour pas prendre d'ulti. Je pense que j'ai pas mal perdu en termes de DPS, mais au final ça m'a permis de survivre. Du coup, ça m'a permis d'enchaîner derrière. Franchement, c'est peut-être le move à faire. Un coup, je me suis dit ouais, mais j'avais peur que l'adversaire défrise trop vite ou quoi, etc. J'aurais peut-être eu le temps de passer une ou deux strong, histoire d'optimiser un peu, mais bon, on l'a joué safe. Ça nous a beaucoup aidé. Donc là, du coup, on a scellé notre ami Unwana, version Machine Society. Je pense que c'est vraiment très très bien. Donc du coup, au niveau des scellements du jour, donc on a eu Ikaku et cet Unwana. Honnêtement, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on n'a pas scellé de personnages qui sont trop puissants. Et nous servions dans la suite des opérations. Je pense qu'on a été vraiment pas mal à ce niveau. Donc voilà, ça fait grandement plaisir. Et ça va nous laisser le temps potentiellement pour la suite qu'on s'en sorte, hein, bien sûr. On a gagné des récompenses qui sont assez sympathiques, notamment les pinceaux là. C'est incroyable. Puis voilà, et puis après lors de la prochaine apparition de cet événement, là, ça risque d'être un poil plus complexe puisque là il y a trois sous de personnages actifs. Donc attention tout de même. Bon, et ben écoutez, j'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu ou alors vous a donné quelques petites idées éventuellement. Si jamais ça peut vous donner 2-3 idées, moi j'en suis tout à fait content. Et puis voilà. Bien, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.